là, d'économie, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une provocation, ce terme. C'est que, regardez, aujourd'hui, notre système économique, il est pas juste inefficace, il est totalement absurde. La théorie économique qu'on enseigne aujourd'hui dans les facultés, elle n'est pas juste discutable ou contestable, etc. Elle est totalement stupide, c'est un tissu de non-sens. Le capitalisme, ce n'est pas seulement injuste aujourd'hui, ça tue des gens dans les entreprises. Regardez ce qui se passe en Europe, les politiques économiques, elles ne sont pas simplement inefficaces pour nous sortir des crises, elles enfoncent les pays européens dans la crise. Et donc il se passe quelque chose dans notre économie qui relève véritablement de l'incroyable, l'absurde, le fou, le catastrophique. Eh bien, c'est à proprement parler déconnant. Voilà. Mais ce qu'explique le livre, c'est que ce n'est pas simplement un système qui déconnerait parce qu'il serait entre les mains des puissants qui ont l'argent. C'est une interprétation, on la connaît, elle a évidemment sa part de vérité. Le sujet central du livre consiste à montrer qu'en au-delà de ce simple pouvoir des puissants et de l'argent, il y a un véritable empire de la bêtise. Il est quand même extraordinaire de voir l'hallucinante facilité avec laquelle une génération entière de journalistes, d'intellectuels, d'hommes politiques, y compris de gauche, dans toute l'Europe notamment, se sont convertis à une théorie économique débile, à des politiques économiques absurdes, et on ne peut pas croire que tous ces gens, ces millions de gens, depuis leur enfance, ont des gens qui ont été élevés et éduqués pour être au service du grand capital. Et donc je dis non, il y a autre chose. Il se joue quelque chose aujourd'hui dans l'économie mondiale et singulièrement dans la crise de l'économie européenne qui vient de la bêtise des intelligents. Et il faut comprendre ce phénomène. Comment des énarques, des polytechniciens, des agrégés de philosophie, des agrégés d'économie et même des prix Nobel peuvent adhérer et croire à des tissus de conneries à proprement parler économiques. Quand on dit par exemple que pour sortir de la crise, il faut être compétitif et baisser les coûts, tout le monde comprend que si un entrepreneur baisse ses coûts pour être plus compétitif, c'est bien pour lui, ça marche. Mais si tous les entrepreneurs de toute l'Europe décident de baisser les salaires par exemple pour baisser leurs coûts, à l'arrivée, personne n'est plus compétitif et tout le monde est plus pauvre. Eh bien, vous le comprenez, n'importe qui le comprend, eh bien, les têtes qui nous gouvernent et les gens qui enseignent la science éco dans les facultés, apparemment, ils ne le comprennent pas. Et donc, c'est ce phénomène que j'étudie, que je montre d'abord, mais aussi que j'essaie de comprendre en montrant que dans la formation économique, dans l'éducation tout simplement de nos élites, il y a quelque chose qui fondamentalement n'éduque pas à l'intelligence et au sens critique, et que dans la sélection politique qu'on appelle l'élection, le mécanisme démocratique qui est censé sélectionner les élites qui nous gouvernent, il y a aussi un vice profond, car on a un système qui, au lieu de sélectionner les plus compétents, les plus intelligents, les plus doués pour le sens, disons, du bien commun, eh bien sélectionne en général les gens qui sont surtout doués pour piquer la place des autres, qui sont les plus compétents pour conquérir le pouvoir, c'est-à-dire qui ont des qualités qui sont à peu près exactement l'inverse des qualités qu'on doit avoir pour pouvoir s'appliquer intelligemment à la compréhension du monde et à la gestion d'un pays ou la gestion d'un ensemble de pays face à une crise. Alors, c'est assez évident, j'ai eu un coup de cœur dans l'année écoulée pour le livre d'un économiste australien qui s'appelle Steve Keen, L'imposture économique, qui est un livre très important parce que c'est l'un des rares et l'un des premiers sous cette forme-là à rendre à peu près accessible la critique radicale justement de la science économique traditionnelle qui est enseignée dans les facultés et surtout à en faire l'historique, c'est-à-dire à montrer comment en réalité toutes les stupidités qu'on enseigne dans la science économique dans les facultés sont très bien connues et repérées depuis longtemps, sont également connues repérés par ceux-là même qui les enseignent, mais continuent à les enseigner. Donc c'est un livre assez remarquable parce qu'on pourrait dire que c'est une espèce d'histoire de la pensée économique déconnante. Voilà. Si vous voulez faire le pendant de mon livre sur la déconomie pour avoir en quelque sorte d'où ça vient, c'est-à-dire quelle est l'histoire de la formation d'une pensée économique déconnante, c'est dans ce bouquin. Alors c'est un bouquin de très haute tenue qui n'est évidemment pas forcément lisible par quelqu'un qui ne connaît rien à
l'économie. Mais c'est un grand livre d'économie que je recommande chaleureusement, alors en tout cas des gens qui, à des étudiants par exemple, à des gens qui étudient la science économique.